J'ai mis 4 streams sur Twitter. Ok, ça marche. Bah, bonjour à tous alors. Oh Sylvain, t'es en Vulture? Oui, je suis en Vulture. Alors, restons pas trop près de la station. Pourquoi? Ah, parce que là, tu t'as pas que des amis ici? Non, mais parce qu'en fait, faut pas rester devant, sinon tu prends des amendes. Faut... Sérieux, on se prend des amendes? Bah, ouais. Attroupement suspect. Je rejoins... Enfin, suivez-moi. C'est qui l'autre, là? Je suis là dans 9 sauts, les mecs. Dans 9 sauts, embarque. On va où, là? Bah non, mais juste, on se met... Voilà, regarde, hop. Je passe en flight assist off, donc je coupe... Je passe en navigation new. Et comment on enlève le flight assist? Parce que j'ai trouvé le bouton pour l'allumer, mais pas pour l'éteindre. Bah, c'est un système pour l'allumer, le désactive, en fait. Parce que je suis en BPO, déjà. C'est quoi Eva Malpua? Ah non, il est en train de scanner. Je sais pas. Non, parce que y a Sylphie qui est là aussi. Y'a qui? Sylphie. Ah cool. Qui s'est connecté. Alors, on va être plein. Bah, faudrait faire. Si j'ai 5 avions, on peut faire 2 wings de 3. Eh, mais oui. Attendez, j'ai du mal à ralentir là devant toi. Ton vaisseau est vraiment énorme. Alors, mais attends, je vais prendre un plus petit, regarde. Oh, attends! Je vais te rentrer dedans. Mais quel bourrin! Et il a pas de bouclier, ce. Oh là là. Attends, ouais. Si, moi j'arrive avec un petit vaisseau. Mais tu... Et c'est parti. Il est où ton gros vaisseau? Il a disparu? Ah, mais c'est con, j'ai un petit vaisseau aussi, moi, dans mon Anaconda. J'ai jamais utilisé. Et hop! Alors en vrai, comment ça s'appelle? Je vous explique, moi je joue depuis genre 2 semaines et eux ils jouent depuis 3 ans. Donc forcément la mienne est plus petite. Voilà. Et que si tu fais mon anaconda, alors t'as voulu jouer depuis 2 semaines, c'est toi qui étais con. Ah non mais attends. Alors il faut que je dise à mon vaisseau principal de rester en position, c'est possible ou pas? Je vais regarder l'espace. Alors j'ai découvert un truc de ouf. C'est que les petites étoiles qu'il y a dans le fond cosmologique, c'est des vrais systèmes dans lesquels on va. Bah oui, bien sûr. Bah, ça a l'air évident pour vous, mais... C'est pour ça que c'est un jeu de simulation. Non mais, alors, question, l'âme. Quand t'étais au centre de la galaxie, est-ce qu'il y avait des étoiles partout? Oui, ça, c'est mongolien. Les jours, sur mes 300-400 derniers sauts, il faisait jour tout le temps. Il y avait de la lumière de fou, parce qu'il y avait des étoiles partout. Est-ce que tu vois mes appels de phare, Dave? Moi je te vois Moscou, ouais. Mais Ouais. Comment tu fais pour... Je te fais des appels de phare, si tu veux. Comment tu fais ça, les appels de phare? C'est ça. C'est qui le copain au milieu, là? T'as un bouton pour les lights, normalement. Ouais, bah j'en ai pas. Putain, c'est ça, t'as même pas validé les phares. Cool. Est-ce que je peux voir ton pilote? Attends, hop, j'avance un peu vite. J'essaie d'avancer, j'avance à 2 km/s vers toi. Qui est passé là? C'est toi? Qui fait ça là? C'est moi. Il joue à Top Gun. Et attendez, vous avez tous des petits vaisseaux, ça veut dire quoi? Vous allez partir vous castagner là? C'est très maniable, le petit vaisseau. Et est-ce que vous allez partir vous castagner? Parce que moi dans ce cas là j'achète un bouclier. Ah t'as pas de bouclier là? Non j'en ai pas de bouclier. Le mec a pas de bouclier, n'importe quoi. Mais quoi, je voyage léger. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais acheter un bouclier le temps que l'âme arrive. Et aussi des armes je suppose. Aïe, désolé. Non, je suis désolé. C'est moi qui ai pris, hein. Je suis à 85 de coque. Mais où, il est où l'âme? Il arrive, il a 8 sauts là. Je suis en train de faire le plein, je suis en route là. Ok. Je suis à 6 sauts. Alors, moi, je vais faire un petit tour vers la station avec mon petit vaisseau très maniable. Déjà, je rattrape Fibre Tigre sans aucune difficulté. Pourquoi est-ce que t'as tes hardpoints deployed? Toi, tu vas te faire engueuler par les gardes. Non, mais parce que les petits fighters, ils ont toujours les hardpoints. Comment tu fais pour aller si vite, Daz? Excuse-moi. Bah, c'est le petit vaisseau, il est très rapide. Il s'appelle comment, ce petit vaisseau? C'est un Imperial Fighter. Oh, putain. Oh, putain. Alors, je vous branle. D'accord. J'ai fait deux trucs. J'ai fait une bêtise. Je crois que je vais mourir. T'as oublié de demander un contact en rentrant dans la station, c'est ça? Ouais, et en plus je viens de percuter un mec qui sortait. Je suis à 23 de coque. Je suis désolé. Bon, moi je vais demander dans la mission principale. Je suis désolé, attendez. Je vais me reconcentrer, je vais demander la permission. J'avais demandé la permission mais je pense qu'ils ont pas dû accepter. Je sais pas pourquoi.
pourtant. Ah, il refuse. Pourquoi il refuse? Donc là, casse-toi, en fait. Ils sont vénères contre toi, faut peut-être attendre quelques minutes avant de demander à rentrer dans mon vaisseau, donc je vais docker dans mon vaisseau principal. Merci, Antoine et Okraï. Se mettre en position. C'est cool. Ce sera fin des streams de Natak. Qu'est-ce que ça fait si je t'attaque, Daz? À cette distance, tu te prends une amende et tu vas te faire fumer. Ouais, je me prends une amende, c'est ça. Ok. Juste pour être sûr. Surtout que ça te fait voilà, c'est super. Et donc là, je rentre dans mon vaisseau. Voilà. Bon, là, cette fois-ci, je vais re-rentrer dans la station, mais plus prudemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, j'aurai peut-être une fine à payer, Fibre. C'est normal qu'il y ait tant de trafic. Moi, quand je joue, il y a moins de trafic que ça. C'est parce que j'ai une bonne connexion. Non, c'est pas aucun rapport. Non, c'est parce qu'il y a du monde dans cette station. C'est bon. C'est bon, j'ai envie de mettre le bonhomme au boulot. Alors, 45, il est où? Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a des zones de combat à Agartha? Et non. Là, moi je voulais faire le truc que je vous ai montré sur Slack là, pour faire plein de fric et surtout se battre, j'avais envie de me battre. Génial, ça c'est ton coup. Je vous avertis, j'ai jamais combattu de ma life, ok? Donc je sais même pas comment on déclenche les armes, tu vois. Je pense qu'il y a plein de trucs que t'as mais c'est bien que si on combat en wing en fait, on peut prendre une cible en commun assez facilement et on partage une partie des prix en plus, donc c'est très rentable. Ah ouais, faire du fight avec un anaconda, c'est... Moi, je suis un buffet gratuit, hein, parce que... Mais on va te couvrir. Alors, attends. Ah, bah, j'ai mis j'ai pas de confiance. Deux secondes, je mets parce un moi, petit les gars, bouclier. Mon ribaille, à moi. Alors, je propose qu'on mine. Je propose qu'on... Ah, on mine avec Daz et Fibre et Sylvain, vous faites l'escorte et vous tuez les mecs. Ça me va. Ouais, j'ai jamais combattu ever de ma vie, je vous l'avais entendu ça ou pas? Je suis pas du tout équipé pour le mining, moi, je vous dis ça... Bah, moi, en plus, j'ai zéro équipement pour le mining, hein, je te préviens. Ah bah moi, j'outfite pas pour miner, les gars, c'est relou. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est comme quand on fait une LAN, hein, on met à peu près 2h30 à faire marcher les trucs, ensuite 3h30 à tilter, et puis excusez-moi, la gamer, on joue. J'ai jamais acheté d'armes, vous me conseillez quoi? Canon à fragmentation, électrique, laser? Prends un laser, tu prends une base là, déjà. Attendez, personne n'est d'accord, je prends quoi? Tu prends... D'un côté tu mets un laser, de l'autre côté tu mets un canon, un multicanon, et les deux tu les mets en gimbal. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Parce que y a... Moi j'ai salut, il coûte un million. En même temps, plaisir de vous voir. Vous savez quoi, je vais acheter un canon électrique, ça va. Regardez tous les trucs en même temps. Sur Twitch, j'ai des gens qui regardent les 4 streams en même temps. C'est vrai? C'est vrai. Les mecs, bravo. Attendez, j'ai acheté un canon électrique parce que j'avais pas les moyens, d'accord? Ok, Fibre, ta gueule. Pour les gens qui me suivent sur mon stream, voici ma passerelle. Je suis même pas là. Ils sont deux, donc c'est quand même pas un vaisseau de smicard. Comme vous pouvez le constater, il y a de la place. Hein. Il y a beaucoup de place. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et en fait, les fauteuils qu'il y a à gauche et à droite, dans la prochaine update du jeu, il y aura peut-être Fibre et Sylvain ou Lame dans ses fauteuils pour m'épauler. Mais Daz, il nous fait un petit crib dans son vaisseau. Alors attendez. Welcome to my crib. Et c'est quoi assigner un module d'armes? Fibrotique, fais les courses. Alors, c'est avec la VR en fait, c'est qu'on peut faire ce genre de trucs. Voilà, donc il y a Fibre dans la station là-haut. Et. Voilà, Sylvain qui est juste là. Je peux m'entraîner sur quelque chose à tirer? Enfin, pas... Non, surtout ouais, pas. Ouais, essaie dans la station, tu vois, c'est rigolo. D'accord, ouais, ok. Et alors, il y a un système genre en guerre, là, martial, ça pourrait être un bon plan pour tuer des trucs, ouais, non? Ouais, c'est où? C'était à... Carthage, je crois, attendez, je vérifie ça. Ah oui, c'est Carthage. En fait, la technique, les mecs, c'est de trouver un système solaire qui est en guerre. Ouais, bah... C'est de se mettre copain avec une faction et d'accumuler des missions pour cette faction en plus. Donc en fait, non seulement tu tues des vaisseaux, mais en plus tu gagnes d'abord leur mission. Et plus tu gagnes du niveau, plus les missions te rapportent de l'argent. Donc ça commence genre à 1 million de crédits, ça finit à 8, 9 millions de crédits. Bon, donc tu fais beaucoup d'argent. Mais par contre, il faut s'outiller pour ça. Donc moi, j'hésite à arriver avec mon anaconda et le revendre en fait. Alors je vais essayer de trouver... J'irai faire un
un tour en Anaconda, si je vois que je me fais allumer, bah je partirai vite fait. Il est où ton cockpit, Daz? Il est à l'arrière, Daz, parce que... Là, t'es en train de regarder le Sky Dome. Le Sky Dome. Le Solarium, c'est le Solarium. Ouais, il y a une verrière de ouf à l'avant, mais en fait, il est complètement à l'arrière de la superstructure. C'est-à-dire, je suis, hein. Oh, bah, Garta, les mecs, vous êtes à quelle station? On est à la grosse station, là, Antioch, Port, je sais pas quoi. Okay. Enoch. Je me permets de faire... T'es où, toi, alors, Daz? Bah, tu me vois, là, ou pas? Non. Bah si, il est devant, mais lève la... Non, sur ta gauche. À ma gauche? Mais non, ça c'est ta droite, Sylvain. Non, c'était ma gauche. Là, voilà, là c'est ta gauche. Là... Ah, t'es là, là? Eh ouais. Ah ouais, je te vois. J'arrive aussi, je lève un bras. Appel de phare. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des fauteuils vides, hein. Bah, moi j'ai un petit jeu marrant, c'est que quand je sors des stations, généralement je fais Afterburner à fond, tu vois. Ouais, moi je fais ça aussi, d'accord. Et puis des fois je me prends la station, j'aime bien. Je me prends un petit Beluga parfois. Oh, j'arrive. À Agartha, il y a beaucoup de Beluga, c'est une station orientée tourisme, hein, donc il y a que des vaisseaux de tourisme. Alors Agartha signifie la paix de l'âme. Ouais, c'est aussi l'album de Vald, on m'a dit. Le nom du dernier album de Vald. J'arrive à Enoch, les mecs. Ah, donc on va voir l'âme qui va popper. Il est en super cruise, donc la super cruise, hein, c'est ce qui permet de naviguer entre deux points dans un même système solaire. J'ai acheté un canon électrique, ça va? C'est un railgun taser, c'est bien pour un manifestant, mais... Oh, ça tire là-bas, les gars, là. Ouais, c'est qu'il pousse, ça. Là-bas, derrière l'ast. C'est... Ah oui, ça tire. Ouais, j'ai vu, alors, voir. Alors vas-y, dis-nous, on fait quoi? Ça explose. On va où? Hein? Bah on attend là, mais on se trouve un système en guerre. Bah attends, il faut le trouver tout de suite alors. Ce qui rapporte dans Elite, hein, c'est la guerre, la crise économique et la famine, voilà. Ouais. Donc, non, il y a l'épidémie, c'est trop bien. Ah putain, l'épidémie. Donc je suis allé voir où ça tirait, c'est un flic qui vient de détruire un vaisseau. Heureusement, alors c'était là, pas fibre. Là, sur mon stream, on voit donc un petit octogone ou hexagone qui se promène, en fait c'est parce que l'icône de Sylvain... à cibler ce vaisseau-là, je le vois aussi sur mon HUD. C'est très pratique de voir ce que les potes ciblent, comme ça on cible la même chose. Et on est là. Oui. En fait, t'as même un truc qui te permet, t'as un raccourci clavier qui te permet de cibler ce que cible ton ouais, coéquipier. Ouais, moi je l'ai bindé sur mon stick aussi pour aller plus vite. Alors là-bas, on voit un beluga à l'approche. C'est assez majestueux, on va s'approcher. Est-ce que tu peux le targeter du coup pour que je vois ce que ça fait, parce que j'ai jamais vu moi. De quoi, le beluga? Est-ce que tu peux te tirer dessus pour voir ce que c'est? Voilà, le beluga, je l'ai target. Donc du coup, je dois avoir quoi sur mon radar, moi? Daz, il a je jamais ever... Mon icône sur... Tu dois voir mon icône sur un objectif. Enfin, sur un target... Je sais pas c'est quoi mon icône... Je sais pas c'est quoi, putain, excusez cette phrase. Alors voilà, donc le beluga, c'est le dernier vaisseau de transport qu'ils ont livré chez Frontières. C'est un genre de... Même pas aller à gros truc de croisière. Et donc c'est absolument pas fait pour la baston. C'est pour ça que Ghislain, donc quand il a voulu se battre avec ça, ben, on a bien rigolé avant qu'il meure. Parce qu'il est mort assez vite. Hein. C'est voilà, c'est un genre de paquebot en fait. Hein. Hello messieurs. Ouh ouais, t'es là, 9 km, voilà. Monsieur Lame. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, bon, on peut faire une réunion 404, hein, je pense. Ok, je me barre. On fait une réunion de rédaction ou pas? Ouais, voilà, on parle de quoi? À la prochaine émission. Alors. Attendez, j'arrive déjà, je me rapproche de vous. Oh là là, c'est beau, 404. C'est quoi, je vais Instagrammer ça. Oh, c'est tellement haut, moi, il y a deux ans, mais c'est un community manager, hein, plus qu'un PM. Attends, deux secondes. Ok, je suis là. Comment on se rapproche de très près? Attendez, moi je vais sortir juste mes trains d'atterrissage, comme ça je suis sûr de pas faire un boost dans la gueule de quelqu'un. Je suis juste derrière toi, là. Ok. Réunion 404 dans les étoiles. Je me rapproche des fibres. Oh, moi je suis à 77 km. Attendez, je vais baisser un peu. Daz, tu vas frotter le cul, là. Les gars, j'ai vraiment des énormes trucs. Alors sur le chat on me demande quoi d'ailleurs sur le chat on me demande pourquoi je suis aussi cool. Est-ce et bien tu es sur